Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de partager les vidéos, ça peut aider certaines personnes qui sont en recherche. On va s'attarder un petit peu sur une marque de conception allemande. On est sur un produit très 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 bien fabriqué, de très bonne qualité, donc avec les parois en aluminium, le toit est en polyester et le dessous du véhicule est également en polyester. Je vous parle du modèle Just 90, le T7052. DBL. On remarquera ici une énorme soute. On va y rentrer bien sûr un scooter ou des vélos électriques ou ce qu'on veut. Il y a de la place, elle est énorme. La soute est traversante et là on retrouve une deuxième porte de l'autre côté du véhicule. Il est monté sur Ford 2,3 litres, 140 chevaux. De série, découvrez le volant gainé cuir, volant multifonction, compteur cerclage chromé, ici climatisation manuelle et le hill holder et le hill descent avec ici le traction plus. Des finitions en céleri qui sont juste parfaites et des sièges très confortables. Remarquez que sur les côtés, vous avez ici un côté rembourré qui va vous bloquer le dos, vous allez être super à l'aise. Les stores Rémis en cabine bien sûr et sur le pare-brise. Un salon face-face et un lit pavillon avec en dessous bien sûr des placards. Ici on a trois placards, c'est quand même assez grand. Les placards sont très profonds. On va pouvoir y glisser plein de petites choses. On a une cuisine avec une plaque de feu. Vous l'avez réclamé, ils l'ont fait. Et le dessous de la cuisine avec la petite poubelle. Et trois tiroirs. Ici, le tiroir avec les couverts. Un casserolier et un deuxième casserolier. Grand frigo congèle slim avec en dessous un tiroir. Donc des rangements. Une qualité de finition qui est quand même très très sympa. Des coloris plutôt agréables. Une petite marche pour accéder au cabinet de toilette et à la douche. Une douche très large dans laquelle on va avoir beaucoup d'aise. Et en haut, un porte-serviette, un cabinet de toilette spacieux, des dégagements latéraux importants pour pouvoir accéder au lit. On est sur une soute haute, voilà, des accès très facilités avec des marches. Voilà, des literies, une literie grand confort avec des mousses moulées à froid. On retrouve là la qualité allemande. Des fenêtres de chaque côté, à droite et à gauche. Et la porte du cabinet de toilette qui vient séparer la cuisine de la chambre. Le modèle est proposé à partir de 50 990 euros en motorisation plus faible, 120 chevaux. On rajoute le moteur 2,3 litres, 140 chevaux et le lit de pavillon électrique pour arriver à un montant de 53 342 euros. Voilà, je vous invite à retrouver la qualité allemande à des prix plutôt sympas et plutôt accessibles. 53 342 euros pour un 140 chevaux monté sur Fiat. Il faut savoir que les mousses sont toutes des mousses de qualité, les garnitures sont vraiment de très très belles factures. Voilà, ben je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis n'hésitez pas à la partager et merci de me suivre. À bientôt.